Les 24 heures du Mans Moto, c'est tout à l'heure à 15h. Autre événement du week-end, ce grand rassemblement de boomerang à Besançon. Les épreuves vont se succéder jusqu'à demain soir au-dessus du site de la Malcombe. Un rendez-vous qui sert un peu de répétition générale pour les équipes de France. Répétition pour la prochaine Coupe du Monde, ce sera à Rome fin mai. Et avec nous Arnaud Tribillon de l'association Koukaboura Boomerang de Besançon. Bonjour. Bonjour. Alors vous recevez l'événement aujourd'hui, mais avant toute chose, parlez-nous de ce deuxième invité qui s'est invité là sur notre plateau. Alors il s'agit d'un koukaboura en fait, c'est un oiseau d'origine australienne dont le nom du club porte le nom. Voilà. D'accord, ça vient d'Australie comme le boomerang. Il vient d'Australie comme le boomerang, donc c'est pour ça qu'on a choisi son nom pour le club. Faites-le voir, tenez, donnez-le moi, on va le montrer à tout le monde, voilà, l'emblème du Koukaboura, de l'association Koukaboura Boomerang. On va revenir sur ces épreuves parce que si j'ai bien compris, il y aura quand même du beau monde. Oui, en fait, c'est une répétition avant la Coupe du Monde qui aura lieu fin mai à Rome. Donc il y a les meilleurs lanceurs français qui seront à la Malcombe pour faire les derniers peaufinages. D'accord, le grand public connaît pas forcément ce qu'on demande à des professionnels, enfin des professionnels si on peut dire du boomerang. Oui. Ça ressemble à quoi des épreuves de boomerang? En fait, on cherche à aller vite, à rester longtemps en l'air, à aller loin, à le rattraper de façon différente, à être précis. Et tout ça donne 6 épreuves codifiées où il y a un classement sur chaque épreuve. Avec des jurys comme au patinage artistique? Oui, alors c'est un des rares sports où en fait les juges sont les lanceurs. On juge nos compères en fait. Bah, c'est vraiment équitable ça pour la compétition? Oui, ça oblige à être fair-play. Sachant qu'aux Coupes du Monde, il y a des juges internationaux. D'accord. En cas de litige. Alors la Coupe du Monde, on en a parlé, ce sera à Rome. Il y a 6 équipes de France en fait, expliquez-nous ça. Non, en fait il y a 6 épreuves différentes. 6 épreuves de France. Et il y a 3 équipes de France masculines et une équipe féminine. D'accord, qui tous partiront à Rome? Oui, qui tous partiront à Rome et les 2/3 de ces lanceurs sont à la Malcombe ce week-end. Alors il vous reste un mois hein, pour peaufiner un peu leur préparation, si j'ai bien compris. Oui, là c'est vraiment la dernière ligne droite, donc c'est les derniers petits réglages. Quoi. D'accord. Alors vous faites partie de l'association, on en a parlé, Koukaboura Boomerang. Oui. Est-ce que la pratique de ce sport se développe en France? Oui, ça se développe un petit peu, mais on va dire qu'à Besançon, on a la chance d'avoir un des plus grands clubs et des mieux classés au niveau national. Donc vous faites partie alors? Oui, je fais partie. J'ai été personnellement 4 fois champion de France et le club aussi par équipe a été 4 fois champion de France. Ça correspond à combien d'heures d'entraînement quand on pratique à haut niveau le boomerang? Moi, je fais, on va dire, 3-4 entraînements par semaine. Donc malgré les apparences, de très beaux gestes aériens, ça ne s'improvise pas. Non, non, il faut un minimum de préparation. Merci Arnaud Tribillon, de et rien. Puis bonne compétition. Et puis on peut aussi dire avis aux amateurs, hein, la crème du boomerang s'affronte donc dans les cieux bisontins cet après-midi et demain. Tout le monde peut venir regarder leur performance, c'est sur le site de la Malcombe. Allez, retour sur terre et même sous terre, on va faire un crochet par Saint-Mauré dans l'Yonne où les archéologues mettent au jour les vestiges d'une voie romaine majeure, la Via Agrippa, rien à voir avec